j'aurais décidé d'en parler. Ok? Parce qu'il est maintenant temps que vous sachiez ce qui se passe. La donne, c'est plus une équipe, c'est une institution. Et tant que je serai à la tête de cette équipe, ça se passera comme moi je le veux. Quand tu me vois débarquer avec mon physique trompeur, l'air de rien, tout de suite tu as des a priori sur ma personnalité. Je suis quelqu'un de très caractériel. Quand je coach l'équipe, c'est moi qui coach l'équipe. Je comprends Stockley avec un zéro point pointé, ça l'a affecté émotionnellement. Je le comprends et je l'ai toujours soutenu comme je soutiens tous mes joueurs. Mais après cela, il a décidé de prendre ses bagages sans même m'en rendre compte et aller à Dakar. Le lendemain, on devait s'entraîner à 17h. Moi, quand un joueur arrive en retard, je ne l'attends pas. Je pars. Le lendemain, le jour du match, du troisième match, paraît-il qu'il n'était même pas dans sa chambre. J'ai été au courant 4h, voire 5h avant le match. Ok. Il dit à mon capitaine, dit au coach qu'aujourd'hui je ne pourrai pas jouer. C'est quoi la raison? La douane ne m'a pas payé, ce qui est archi faux. Depuis que la douane est la douane n'a jamais dû un seul sou à aucun membre de son équipe. Eux, ils sont payés. Comment peut-on ne pas payer les autres et ne pas payer Stockley quand même? J'ai le virement bancaire avec moi. Donc, on peut le vérifier. Après cela, il se rend compte que son argent a été bien et bien envoyé. Il appelle le préparateur mental pour lui dire, dit au coach de dire au dirigeant de m'envoyer une voiture parce que je ne suis même pas à Dakar. Je ne suis même pas à Sali. Je suis à Dakar. Le gars me le dit, je lui dis, dis-lui comment il avait fait pour partir. Il n'a qu'à faire le même chemin pour revenir. Il insiste, sachant qu'il ne fait plus partie de mes plans. Et si le président est au courant, il va l'envoyer une voiture. Mais même s'il vient, il sera sur le banc pour un très grand jour comme ça. Cette information, je ne l'ai pas transmise au président. Je l'ai gardée pour moi. Jusqu'à la fin du match, nous avons gagné. Le lendemain du match, il veut encore revenir. Non, ça ne se passe pas comme tu le veux. Je ne l'ai pas aidé au fait à ce qu'il revienne. Ok, et jusqu'à présent, et avant cela même, j'ai appelé tous les jours, je lui ai expliqué la situation. Pour leur faire comprendre la situation. Vous pouvez être du côté de votre coéquipier, hein? Il n'y a pas de souci. Mais ici, la dernière décision me revient. Et ça se passera comme moi je le veux. J'ai eu trop mal pour lui parce que c'est un jour très correct. Malgré tout, il est très correct. Il n'a jamais eu de problème avec moi. Et jusqu'à présent, il n'a jamais eu de problème. Mais son attitude n'est pas une attitude de professionnel. Et mon président est revenu vers moi pour le faire revenir. Je l'ai fait comprendre que, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une grande équipe ou vous voulez une petite équipe? Si vous voulez être une grande équipe comme les monastères, les Petro, il va falloir qu'on se fasse respecter par les grands joueurs. Sinon, ce n'est pas possible, je n'ai pas ma place ici. Maintenant, c'est à vous de décider. Parce que s'il vient, moi je pars. Ils ont respecté ma décision. Juste pour lui faire comprendre que tu sois un Américain, que tu sois n'importe qui, quand tu viens dans un pays, il faut respecter les lois et les règles de ce pays-là. Je n'imagine pas aller aux États-Unis, signer un contrat et faire ce que j'en veux.
C'est pas possible. J'aurais payé les pots cassés. Donc, que ce soit Stocklin, que ce soit un autre, quand vous intégrez notre équipe, l'ICE Douane, ça doit se passer comme moi je le souhaite, comme la douane le souhaite. Si tu es content, tant mieux. Si tu n'es pas content, tu fiches le camp, tout simplement. C'est ça la réalité. Peut-être que vous aurez un feedback de lui, mais c'est ça la réalité. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette situation. Thank you, Coach.